Un autre exemple de réaction donc d'interconversion de fonction, c'est la transformation de la fonction carbonyle, donc ici présente, en acétal. Alors, l'acétal, il faut bien le reconnaître, hein, c'est une fonction que vous avez encore jamais rencontrée. Vous avez donc le carbone ici qui est relié à deux oxygènes qui eux-mêmes sont reliés à deux carbones. Il faut l'ensemble, voilà, de ces cinq atomes pour définir une fonction acétale. Hein. Donc c'est pas juste ces doublaisons O, c'est un peu plus compliqué. Donc il faut bien la reconnaître, cette fonction acétale. Et elle a des propriétés qu'on va voir assez intéressantes. Parce que bon, pourquoi est-ce qu'on ferait ça sinon? Alors, pour le mécanisme, il est présenté là. Alors la chose qu'on verra, c'est que très souvent, la réaction n'est pas faite avec deux alcools, d'accord, ajoutés donc, additionnés sur la fonction carbonyle, mais plutôt avec de l'éthane 1,2-diol, c'est-à-dire cette molécule-là. Voilà. Alors pourquoi cette molécule-là? Parce que en fait, ça marche mieux, la réaction marche mieux, puisqu'il y a à la fois un effet entropique et un effet enthalpique. Alors ça, on verra en deuxième année pourquoi. Là, vous retenez que ça marche mieux avec, avec cette molécule, et donc je vais vous refaire le mécanisme à côté avec cette molécule, sachant que ça change rien du tout, hein, c'est juste que bah, vous fixez deux molécules d'éthanol ou de méthanol, je vais fixer deux fois la fonction alcool qui provient de la même molécule. Alors, le mécanisme, donc on part évidemment du carbonyle qu'on souhaite modifier, et on est en catalyse acide. Alors ça c'est très important parce que bah justement l'alcool qu'on veut additionner là, c'est vraiment un piètre nucléophile, donc on va falloir l'aider un peu, et donc on va augmenter le caractère électrophile du carbonyle en, bah, en le plaçant en catalyse acide. Donc ça va faire une étape d'activation donc électrophile, hein, qu'on a vu en tout début donc de ce cours, et donc on se retrouve avec ça marche pas bien là, avec donc le carbonyle activé avec la forme mésomère ici qui fait clairement apparaître donc le carbone électrophile. Donc ce carbone électrophile bah, va pouvoir subir donc l'addition nucléophile donc de la fonction alcool. Donc au lieu de prendre, je répète, deux molécules, j'en prends qu'une seule, mais qui a deux fonctions alcool. Donc je fais l'addition nucléophile de la même façon hein, que si j'en avais qu'un seul. Et donc je me retrouve avec, alors je vais aller de ce côté-là, avec donc bah, le groupe hydroxyle greffé donc sur la fonction carbonyle. Et là, on va faire ce qu'on appelle une table de prototropie, c'est-à-dire que ce proton-là, il va se balader et il va aller directement sur cet alcool, cet oxygène-là. Donc, bon, on peut le faire en deux étapes ou directement, je vais le faire directement. Ici, là, je l'ai fait en deux étapes en passant par ce qu'on appelle l'hémiacétal. L'hémiacétal, c'est donc ben, quand le proton est parti, on se retrouve temporairement avec ceci. Donc, un carbone relié à deux oxygènes, mais un seul et deux oxygènes est lui-même relié à un carbone. Donc là, on n'a qu'un hémiacétal, la moitié d'un acétal. Donc là, le H, je viens de l'enlever, hein, ce H, et je vais le mettre donc ici, donc prototropie. Et là, maintenant, j'ai un bon groupe partant, d'accord, la molécule d'eau ici, qui va pouvoir partir. Et donc, une fois qu'elle est partie, je récupère un carbocation. Carbocation qui va pouvoir finalement resubir l'addition donc bah, du dernier nucléophile présent, c'est-à-dire l'autre oxygène, et donc on va avoir on va avoir bah, la presque la molécule finale, puisqu'on va avoir en
encore le H sur l'oxygène, et en dernière étape, donc, il part, et on obtient donc l'acétal, hein, je répète, l'acétal, c'est donc un carbone relié à deux oxygènes, eux-mêmes reliés à deux carbones. D'accord ? Donc c'est vraiment toute cette fonction-là. Ça fait un joli dessin. Il n'y a plus qu'à faire un sourire. Voilà. Allez, je me lâche. Hein ? On va lui mettre des sourcils, là, et un petit nez, et voilà. Bon, allez, arrêtons de nous amuser. Donc, cette réaction est entièrement équilibrée. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas, a priori, un rendement génial, hein, puisqu'on peut avoir moite-moite du réactif et du produit. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lors de cette réaction, on libère une molécule d'eau. Et donc, si on élimine cette molécule d'eau par un moyen physique, d'accord, par évaporation ou je ne sais quoi, ébullition, distillation, bon, enfin on se débrouille, je vais vous montrer tout de suite après, on peut comme ça déplacer l'équilibre, d'accord, donc ça c'est un moyen physique. Donc si on veut déplacer l'équilibre dans ce sens là, évidemment il faut éliminer l'eau. Si au contraire on veut déplacer l'équilibre dans ce sens là, ben, on rajoute une tonne d'eau et ça déplace dans l'autre sens. Donc pour le sens direct, vu qu'il faut pas faut éliminer l'eau, il ne faut pas trop en introduire au début, donc les acides qu'on va utiliser sont les acides qui ont le moins d'eau possible. Donc là on peut prendre l'acide paratoluène sulfonique qui a l'avantage d'être solide et anhydre, d'accord, et non oxydant, donc enfin c'est le top, hein. Voilà. Donc pour ce qui est de l'élimination de l'eau, ben on peut procéder par une distillation. Alors le montage qu'on va faire, c'est pas on peut faire un montage de distillation classique, mais il existe un montage un peu plus élaboré qui est le montage d'Instark. Donc vous avez les réactifs dans le ballon au départ là. Et donc, quand la synthèse se fait, vous avez donc a priori tout dans le milieu, réactif, produit et donc l'eau qu'on veut éliminer. Et donc on travaille dans un solvant. Et donc l'eau et une partie du solvant va monter dans la colonne et va se condenser donc dans le réfrigérant et retomber dans cette ampoule graduée qu'on aura préalablement rempli avec le solvant. Donc quand l'eau redescend, comme généralement elle est plus dense que le solvant organique, elle va au fond de cette ampoule et donc le surplus de solvant va redescendre dans le ballon. Voilà, donc ce qui maintient un volume constant. D'accord ? Voilà, donc ça c'est un montage classique qui sert donc à améliorer la synthèse et donc à déplacer l'équilibre. Donc à connaître. L'intérêt de cette réaction d'acétalisation, c'est en fait de masquer le carbonyle. Parce que comme la réaction est renversable, on peut s'en servir comme réaction de protection de fonction. C'est-à-dire qu'on a au départ donc un carbonyle, et ce carbonyle, il risque de réagir avec pas mal de nucléophiles dans la sauce. Et si on ne veut pas que ce soit lui qui réagisse, parce que c'est une grosse molécule qui a plein de fonctions, et qu'on veut que ce soit une autre fonction de la molécule qui réagisse, on va temporairement protéger ce carbonyle, donc en le transformant en acétal, qui lui va être inerte, entre guillemets, aux réactions qu'on souhaite faire par ailleurs. Donc ce qu'il faut savoir faire, c'est reconnaître, savoir qu'on fait une acétalisation éventuellement pour protéger donc le carbonyle, et savoir reconnaître donc cet acétal, et donc pour pouvoir retrouver le carbonyle qu'on avait protégé. Donc si on vous présente des acétales, il faut pouvoir être capable de redonner le carbonyle qui était caché derrière. Donc déjà, le plus simple, c'est de repérer donc la fonction acétale, et donc on sait que le carbone, il est ici. Donc pour ça, le plus simple, comment on fait ? On prend une gomme. Voilà, je prends la gomme, j'enlève la liaison acétale, et je gomme, voilà, c'est pas joli, et je remets à la place, je remets le carbonyle. Voilà, et donc j'ai mes deux alcools là qui sont sur le côté. Et donc en gros, je retrouve
le carbonyle et les deux alcools. Donc on peut faire pareil pour la suite, hein, il faut chaque fois repérer le carbone de la fonction carbonyle, et donc derrière on casse ici et on met donc on met le carbonyle sur le carbone là qu'on a pointé, et on recopie le reste voilà qu'on a coupé, on rajoute simplement les deux H. Voilà. Donc là on a aussi celui-là. Alors celui-là, ben, comment il fait, ben, il fait que cette fois-ci c'était par au-dessus. D'accord, c'était ici qui était le carbone, donc le carbone il est là. Et donc on a OH comme ceci. Voilà. Pour celui-là, ben, ça va être comment, ben, ça va être pareil. Hein, on repère le carbonyle ici. On met le. Ben, on met justement la fonction. Et on recopie. Voilà, en rajoutant les deux d'alcool. Alors le suivant est un peu plus subtil, il faut couper cette fois-ci ici et ici. Et donc on a le carbone qui est là. Et donc là, on se rend compte de quoi ? Ben, on se rend compte que si on le met là, et bien cette fois-ci, on a le carbonyle qu'on ajoute, et là, quand on coupe donc les deux liaisons que j'ai écrites là, à couper, et ben, on voit qu'en fait on était sur la même molécule et qu'on avait donc une réaction, une acétalisation intramoléculaire. Voilà. Pareil pour le dernier, je vous invite à essayer de le retrouver. Donc vous avez le carbone qui est là, vous coupez les deux liaisons qui forment l'acétal, vous représentez donc le carbonyle, et vous avez les deux alcools. En dépliant la molécule, vous devez obtenir ça. D'accord ? Alors c'est pas facile au début, il faut s'entraîner un peu, essayer de le refaire calmement sur votre brouillon. Alors pour finir, un petit exercice de synthèse. Donc on va essayer de voir quels ont été les réactifs utilisés pour aboutir donc à la molécule finale. Donc en étape 1, on regarde ce qui a été modifié. Donc on voit que là, le carbonyle, ben, on retrouve la fameuse liaison, la fameuse fonction acétale. Donc là, on a fait une acétalisation, dont le but était vraisemblablement une protection de carbonyle, et donc pour faire la stérilisation, on utilise donc l'éthane 1,2-diol en catalyse acide, hein, comme j'ai dit avant avec l'acide paratoluène sulfonique. Voilà, on peut utiliser un DINSTAR pour améliorer le rendement, etc. En étape 2, qu'est-ce qui a changé? On avait ici un alcool et on se retrouve avec un carbonyle. Donc pour faire ça, il faut utiliser un oxydant. Un oxydant, donc là vous avez la liste des oxydants dans le cours sur oxydation-réduction, hein, au tout début de la chimie organique. Donc là j'en propose un CRO3 dans le dichlorométhane. Ensuite on a le carbonyle qui a été transformé en cyanhydrine, donc ça c'est la réaction, ben, la première réaction que j'ai présentée, l'addition nucléophile, donc c'était avec NaCN, c'est-à-dire en gros CN- et Na+, suivi d'une hydrolyse en deuxième étape, d'une hydrolyse acide pour récupérer l'alcool. Voilà. En 4, on perd l'acétal. Donc là, c'est qu'on a fait une rétroacétalisation, l'inverse d'une acétalisation, donc une rétroacétalisation, dont le but est de déprotéger donc ce carbonyle, hein, puisqu'on ne voulait pas qu'il réagisse avec NaCN, puisqu'on voulait que ce soit en fait le carbonyle qu'on a transformé ici. Hein. D'accord, donc pour assurer qu'il n'y ait pas de réaction parasite, on avait protégé avant le carbonyle. Donc là, on le déprotège en mettant donc beaucoup d'eau pour inverser le sens de l'équilibre, toujours en catalyse acide, et donc on récupère via une rétroacétalisation donc le carbonyle et l'éthane 1,2-diol qui ne sert pas. Et la dernière étape, ce qui change, c'est qu'on a perdu ici la double liaison. Donc ça, on sait faire, réduction d'une double liaison CC avec du nickel de Raney et une hydrogénation catalytique. Donc voilà pour le cours de chimie organique. Il n'y a plus qu'à faire les TD. Ça, on va un peu attendre.